Ok yo les gens, c'est Ninjax aujourd'hui. Non, c'est bon, j'arrête avec la voix de vieux parce que je joue un vieux actuellement. Je suis SCP 1440. Bon, c'est pas un SCP qu'on a incorporé sur le serveur, mais c'est un SCP très drôle, vous allez voir. Alors, en gros, ce SCP, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est sa particularité? Il sème, écoutez bien, il sème la destruction partout où il va. Alors, c'est très simple, quand il y a des formes de vie à proximité de lui. En gros, il y a un truc dans lui, chez lui, hein, qui s'active et ça fait des destructions. Genre, ça fait, je sais pas, un tsunami, ça fait des immeubles, ils explosent. Genre, comme ça en fait. Il crée des catastrophes naturelles à lui tout seul en fait. Aussi, c'est un vieux, c'est un ermite, c'est un vagabond, mais bon, je sais pas faire la voix du vieux donc je vais arrêter. On dirait plus la voix de Lorenzo en tout nul là. Donc je vais arrêter tout de suite. Donc en gros, voilà, ce SCP il sème la pagaille quand il y a des formes de vie à côté de lui. Donc c'est un ermite. Bon, j'ai un skin de vieux, mais bon, il a un costard. Bon, prenez pas ce costard, hein. C'est un mec qui fait que de marcher. Voilà, il reste jamais très longtemps loin des habitations humaines et loin de toutes ces conneries parce qu'il sait qu'il crée des catastrophes en fait. Donc là, on va dire que ça fait déjà 24 heures que je suis dans cette zone. Donc c'est pas vraiment une zone à habiter quand ça fait 24 heures que SCP 1440 y est. Par exemple, il a déjà détruit des SCP parce qu'il est resté trop longtemps dans un site, le site 6, si je me rappelle bien de sa fiche. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu sa fiche. En fait, je me rappelle depuis que j'ai fait la vidéo sur lui, il y a très longtemps. Hein. C'était une présentation, les SCP les plus dangereux, et je l'avais mis dedans. Donc tout simplement, moi je vais le jouer sur le serveur. Ça va être drôle parce que regardez ce que j'ai. Paf, 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 des petits orbital strikes pour semer la destruction. Hein. Quoi de mieux des petites explosions par-ci par-là, hein. On va dire ça comme ça. Hein. Alors je vais faire un ANA, un NA pour dire que... voilà, tac, SCP-1440 est dans la zone depuis 24 heures. Et là, ceux qui ne le connaissent pas vont prendre cher, ceux qui le connaissent vont fuir. Sauf qu'il ne saura pas que c'est moi. Regardez, triste, comme moi, Bouboula, je vais à Los Santos, ils comprennent pas ce qui va leur arriver, parce qu'ils connaissent pas le SCP et ils savent pas qu'il fait des catastrophes naturelles. Ou par exemple, oh, j'adore observer les oiseaux. Ça serait vraiment ballot si, je sais pas, une météorite tombait sur ce petit oiseau là-bas. Première explosion, les amis, première explosion. Aujourd'hui, 1440, il vient observer les petits poissons. Hein, les petits poissons. Ça serait vraiment dommage si une météorite tombait sur ces petits poissons. Et là... Ouh, une explosion! Et c'est ça qui est drôle avec ce SCP. C'est que je vais tout faire péter, les mecs. Oh, il est beau cet immeuble, dis donc. Hein, il est vraiment beau. Hein. Ça serait vraiment dommage si une putain de météorite s'est crachée dessus. Et voilà. Ah là là. Donc, je fais en sorte que je ne touche personne pour que la Fondation et la CMO soient prévenues. Comme ça, ils vont me rechercher activement. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, on va tirer là-bas. Oh, il est beau le silo. Je peux pas. Oh, il est beau le silo! Ce serait vraiment pas lourd si une météorite tombait dessus. Ah, j'arrête avec cette blague. Dédicace à Fortnite avec la météorite. Explosion! Donc, en vrai, ce SCP, il est. On le mettra jamais sur le serveur parce que voilà. Donc, ce SCP, il est inadaptable parce qu'en vrai, voilà, il crée des catastrophes. J'allais dire nucléaires. Il crée des catastrophes à petite échelle, donc c'est vraiment impossible à mettre en œuvre. Mais en event, comme ça, vite fait, il peut être marrant en fait. Moi je fais exploser des trucs, moi ça me fait rire. Hein. Il y a des explosions encore. Ah, c'est pas moi cette fois, hein. Je vous jure, c'est pas moi. Je vais me balader, j'ai vu personne. Pourtant, il y a du monde hein, sur le serveur. Hein. Ah ouais, mais il y a des recrues, donc je pense pas qu'ils vont faire sortir les gens. Je ne pense pas qu'ils vont faire sortir les gens. Oh, elle est belle cette montagne! Oh putain, j'en peux plus. Bon, je vais monter à l'aérodrome pour voir ce qui s'y passe. Comme ça, j'aurai une vue d'ensemble sur tout, à peu près. Et avec cette belle vue d'ensemble, je vais pouvoir observer à peu près tout le monde. Et décider de qui va vivre et qui va mourir. Oh, il est beau cet arbre! C'est vraiment ballon. Bon, c'est bon, j'arrête avec ça. Ah là 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 là.
Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Fanta. Il y a The... y a ce Fantasio qui a arrêté de faire des vidéos. Je suis un peu triste, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et la vie, elle continue. Bon, je vais sans doute arrêter avec les bombes, mais il me faut un autre truc de catastrophe naturelle. Je vais essayer de chercher ce qui pourrait être cool. Bon, ouais, les explosions, c'est le moyen le plus simple de les attirer, donc petite dernière. De toute façon, j'ai 27 balles, je me suis dit 27 balles. J'ai 27 trucs et. Je me suis dit que j'allais utiliser les 27 ou pas, ça dépend de ce qui se passe. Donc là, je vais aller voir la fondation parce que. Attendez, quand même, faut un petit peu de roleplay si je fais juste péter des trucs. Voilà, c'est inutile. Bonjour, il y a quelqu'un là? Oh, je sais pas faire la voix du vieux. Il y a son père à la fondation. Je vais arrêter de faire la voix du vieux parce que c'est vraiment. Il y a plein de gens, j'ai rien dit, on va se barrer gentiment, au revoir, au revoir. Bon, techniquement, j'évite le contact humain, donc on va se barrer de la zone. Mais bon, si j'étais vraiment une petite pute, hein, j'aurais fait péter la zone là. On va dire que j'y suis pas resté depuis longtemps, trop longtemps, assez longtemps plutôt. Parce que oui, il faut qu'il reste un temps assez déterminé. Bah. Oh là. Les explosions commencent au bout de 24 heures ou une connerie comme ça. Mais il faut rester un minimum de temps à côté d'une structure humaine ou des humains carrément pour que ça explose vraiment, pour que les catastrophes se passent quoi. Il y a un avion, il y a un hélico. S'il reste trop longtemps à côté de moi, moi je vous préviens, ça va exploser. Hein. Bon, on va dire que mon RP, ça va être essayer de s'enfuir plus vite possible de la zone humaine pour que ça soit bien RP. Bon, techniquement, il s'approche. Moi, je vais reculer quand il s'approche. Parce qu'il faut pas qu'il reste à côté de moi. Attendez, je vais quand même le faire venir. Mais bon, je recule quand même. Hein. Je vais lui dire, monsieur, vous devez partir, vous devez pas rester à côté de moi. Bonjour! J'essaye de faire une voix de vieux. Hein. Messieurs, faudrait pas rester à côté de moi. Hein. Il Et va pourquoi ça, se monsieur? passer des choses pas bien sinon. Bon, j'arrête parce que j'arrive pas à le faire. Oh putain, il y a du monde. Je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui vient vers moi là. Arrêtez! Sinon, je vais vous faire du mal. On va dire que je suis resté assez longtemps et surtout pour leur faire peur. On va dire que je suis resté assez longtemps à côté du truc. Voilà. Ils sont en train de flipper. Je vais me barrer. Oh, mais ça fait un petit bout de temps que je suis ici donc. Wow, calme-toi quand même. Voilà. Oh non, il se passe encore des explosions à côté de la ville, à côté de bâtiments. Je me demande comment ils vont réagir les joueurs parce qu'en vrai. En vrai, c'est chaud. Hein. Vous savez quoi? Je vais dire, allez, je leur donne 15 minutes. Si dans 15 minutes ils m'ont pas retrouvé, on va dire que je me suis barré de la zone tout seul. Voilà. Sinon, dans 15 minutes, il y aura des explosions. Pendant 15 minutes. Par exemple, là, on va dire que si je reste 30 secondes ici, bah, les bâtiments des survivants, bah, ils font péter. Et pas qu'un peu, je pense. Encore dû régler un problème, donc en cloque, on fait péter le phare. Mais là, j'ai vu une voiture. Là, ils vont être attirés par le bruit. Et c'est là que ça va être intéressant. Oh genre, oh j'ai une idée. Je vais leur faire peur. Là il y a un véhicule là. Je vais leur faire peur. Hop là, j'invoque Xeus. Cette vidéo, dites-moi combien de fois ça a explosé parce que même moi je m'en rappelle plus. Ah ils sont devant. Allez on se barre. Hop là. On va dire que là ça va exploser aussi. Allez, j'ai dit là contre le sol. Voilà. Ouh, mais ça explose. Faut que j'évite le contact humain. Je les ai brain, je les ai pris par derrière. On se barre, on se barre. Mon but en vrai c'est d'éviter le contact humain et d'essayer de me barrer d'ici le plus vite, sauf que vu que je connais pas la ville, voilà quoi, c'est un peu compliqué hein. Hop, regarde, on va les prendre en leur dire en disant je suis ici. Hop là. Bah voilà. Allez mec, je suis ici et je suis plus au phare. Hein. Par la puissance divine de Dieu. Bon, ils savent pas où je suis, donc je vais faire péter à des endroits. Comme ça, ils verront bien où je suis. Ils sont au-dessus de moi. Laissez-moi, laissez-moi, je veux me barrer de la ville. Je ne veux pas
Mais non, pas du tout, on va faire avoir affaire avec vous. Bon, ils savent où je suis maintenant, hein. Mais c'est le but. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire un tremblement de terre. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Regarde, 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 regarde. Pour lui dire de se barrer. Oh putain, les cons! Oh les cons! Oh les cons! Lâchez-moi, si vous restez à côté de moi, va se passer de gros problèmes! Oh putain, j'ai buté! Bon, à cause de moi, il y a l'hélico là-bas qui a explosé. Attendez, attendez. Cet endroit est déjà pété, donc. J'ai pété tout à l'heure, donc il pourra pas être repété. Ils veulent me tuer, merde! C'est pas ma veine, attendez. Bon, je suis à l'intérieur du truc. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je crois qu'il est là, il est là, il est là, il est là! Allez-vous-en! Si vous restez, il va se passer de gros problèmes! Comment on ouvre cette merde? En vrai! Mais monsieur, vrai. Justement, on l'a mis! Reculez, 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 reculez! Reculez, je vais tirer une patate! Dès que ça s'ouvre, j'ouvre une patate! Arrêtez, messieurs, fuyez vite! Ça va bientôt arriver, fuyez! Eh, je suis en train de foutre le bordel, hein. Ah, ça commence à être bon, là. Ils sont combien? Ils sont 4. Moi, les 4, moi je dis ça vaut bien. Une petite explosion ici. Et 4 soldats qui sont morts. Je leur ai dit de se barrer, ils m'ont pas écouté. Bon, on va dire que ça fait le temps en partie. Non, mais arrêtez de venir. J'ai 150 HP, par contre, je préviens. Je me suis mis 150 HP pour qu'ils puissent me terminer au pire. Parce que j'en ai buté 4 quand même. Enfin, il s'est pas piloté. La personne qui pilote là ne s'est pas piloté. Hein. Ils sont là-bas. Aïe. Pour ça, j'ai dit, je les ai vus, là, c'est con. En train de me tirer dessus, ils sont là. J'ai pas envie de me faire tuer moi, donc on va vite. Aïe aïe aïe, on va vite se barrer, j'ai dit. Voyons, on tirait sur un homme infirme. De toute façon, j'ai dit que ça faisait le temps imparti. Donc je vais me barrer. On va dire que j'ai échappé à la ville tout seul par mes propres moyens. Pour cela, on va se rendre quelque part. Je vais bientôt réussir à me barrer. Donc, bordel. Faut juste que j'atteigne cette porte là-bas là. Et j'aurais fui. J'aurais fui, mes amis, j'aurais fui, j'aurais réussi à fuir. J'espère qu'ils vont pas me tuer, hein, entre temps. Je vais y arriver à fuir ou quoi? Vas-y, on va refaire péter une dernière fois pour montrer que je suis là. Ah, merde, je suis plus en god et j'ai plus de vie, là, donc j'espère que ça va pas me tuer. Ok. Oh, putain, ils sont là, merde, merde, merde. Merde, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre, vite, 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 vite. Oh, ils vont m'attraper, hein. Merde, ils vont m'attraper. Bah, les couilles, je me laisserai pas faire. Oh, le véhicule a explosé, yes! Yes, 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 yes. Je vais fuir. Je vais fuir. Je fuis, mes amis, je fuis. Enfin, j'ai gagné, ils ont perdu. Ouais, je les vois au bout là-bas, à côté des arbres. Oh putain, vite. Et voilà, ils repartent bredouille parce que bah, je me suis barré. Hein. Et oui, j'ai pris ce chemin et une ligne droite vers la lumière. Sur ce, les gens, c'était Ninja. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.